Madame von Sonnebrock-Mialon. Merci Madame la Présidente. Donc je voulais revenir effectivement donc sur la stigmatisation qui était faite avec la première rédaction du PGL envers les couples de femmes. Ce point semble en partie satisfait avec la nouvelle rédaction qui est proposée ici. En revanche, le second objectif que je m'étais fixé, c'est ne résidait pas là. Il s'agissait de tirer les conséquences juridiques des modifications que ce texte opère pour les enfants nés d'un couple de deux femmes ayant eu recours à une AMP avant la promulgation de cette loi. La situation de ces enfants est en effet directement impactée par ce PJL. Ici, la filiation des familles homoparentales découle de l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes et est organisée pour protéger les enfants et leurs parents. Voilà, donc ça rappelle un petit peu de ce que je disais tout à l'heure. Et en fait, pour y remédier, j'aimerais vraiment qu'on puisse rediscuter de ces dispositions transitoires qui permettraient donc d'inclure les quelques milliers d'enfants qui sont donc exclus de ce dispositif. Madame la ministre, si l'idée d'inscrire des dispositions transitoires visant à protéger les enfants vous déplaît, et je peux l'imaginer, alors je souhaite que l'ouverture de la possession d'État aux couples de même sexe soit sérieusement envisagée. Donc c'était la raison pour laquelle tout à l'heure j'enlevais mon amendement, mais j'insiste pour qu'une solution soit trouvée pour l'examen en séance pour sécuriser tous les enfants impactés par ce texte. Je vous remercie. Merci, Monsieur Touraine.